Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc ouverture avec la gueule enfarinée et en mode pyjama. Je suis congelée, vraiment congelée. Donc on est mardi, je ne vous ai pas pris hier. Il est 12h34 déjà. Je vais manger et faire ma sieste. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais vous résumer un peu mon week-end qui a été assez spécial. On va dire ça comme ça. Je vous ferai un peu dans un autre décor pour changer un peu. Voilà. Ça, vous visitez un petit peu la maison. Alors, je vous montre que les zones que je peux vous montrer qui sont rangées. Hein, parce que sinon, le reste, c'est un peu le bordel. Hein. Si vous voyez l'autre côté de mon bureau, il y a tous mes cartons, mes ventes vinted et tout ça. C'est un bordel. Allez, je vous montre parce que je suis trop gentille. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, hein, mais c'est boxon total. Donc vendredi, si vous avez suivi, j'ai fait un live samedi, hein, puisque comme monsieur était positif, je n'ai pas pu aller voir mes petites chéries. Donc ça sera reporté à dans 15 jours, hein, le samedi 5, donc une semaine pour vous. Hein. Du coup, comme il était positif, on a le tracing qui nous a téléphoné pour voir à qui il avait été en contact, pour lui expliquer ce qu'il devait faire et tout ça. Et après, ils nous ont appelé moi, ils ont appelé Enzo aussi pour répéter la même chose. Moi, je dois faire une demande. Alors, ils ont envoyé les codes pour Enzo, mais comme moi, j'avais des symptômes, vu que je toussais, je vais peut-être baisser un peu la caméra. Dézoomer peut-être. Voilà, on est bien là. Moi, je dois passer par un médecin. Voilà, donc la chérie va aller me chercher un autotest aujourd'hui ou demain. Je vais faire l'autotest et puis on verra bien. Puisque si je suis positif à autotest, on se doute bien que je suis positif au PCR. Et je ferai le test PCR que une semaine avant d'aller faire ma deuxième dose du vaccin. Puisque si je suis positif, je dois décaler la deuxième dose de 15 jours. Voilà, mais comme là, de toute façon, on a 20 jours d'isolement, de quarantaine, ça ne change pas grand chose au final. Hein. Ma deuxième dose, c'est que dans 3 semaines, donc je serai plus positif. Mais bon, il faut absolument que je fasse le test. Mais je trouve pas ça très utile, puisqu'on se doute bien que je l'ai, puisque ce week-end, j'ai eu énormément de symptômes. Je me sentais fiévreuse, fatiguée, je toussais, j'avais le nez qui coulait, j'avais un peu mal la gorge, mais et mal la tête. J'ai eu mal la tête pendant 3 jours. Maintenant, ça va. Voilà. Monsieur va mieux aussi. Tous presque plus. Il a presque plus de nez qui coule. Donc, voilà. J'ai reçu également une convocation à l'école. Alors qu'on est en quarantaine. Donc, ça, il faut encore que je les appelle. Pour voir pour la fin d'année, pour Sam. Parce qu'il a eu beaucoup d'absence. Oui, bah, ça ne change pas du milieu d'année. Hein. Mais bon. Il faut que je leur téléphone pour leur dire que je ne peux pas y aller puisqu'on est en quarantaine. Georges a un certificat du médecin pour dire qu'il est en quarantaine jusqu'au 9 juin. Mais il me convoque. Si lui, il est en quarantaine, je suis aussi. Hein. Voilà. Bref. Donc, samedi, je vous ai fait le live. Ça m'a bien fait, ça m'a fait du bien de discuter avec vous. Et si vous n'avez pas vu, je vous remets la rediff en barre d'infos. Hein. Georges a décrété que à 100 pouces en l'air, donc allez en foutre hein, si vous n'en avez pas encore mis, il a accepté de faire la vidéo où je maquille quand même. Voilà, donc on veut cette vidéo. Je crois qu'il la veut, qu'il veut se maquiller aussi hein, parce qu'il regarde tous les jours. Hein, tous les jours. Donc là, on en a 70, je crois, ou 74, un truc comme ça, je ne sais plus. Il a été voir ce matin, mais je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Il est pressé. Il a hâte que ça arrive au 100 pour faire cette vidéo. Lui, pas normal. Voilà. Sinon, le dimanche et lundi, j'ai rien foutu. Dimanche, j'ai tourné la vidéo que vous avez eu mercredi sur mon classement des Flawless, là, le top 10. Donc, je la remets en barre d'infos aussi. Chaque fois que je vous parle d'une vidéo, je vous la remets en barre d'infos. Hein, puisque dans le petit, c'est un peu plus compliqué pour moi de jongler. Là, je peux limiter le montage des vlogs comme ça. Je ne dois pas calculer à quel moment je dois mettre dans le petit. Vous voyez, là, je coupe quand il faut couper. Je mets mes transitions quand il faut mettre une transition. Et le vlog est fait. Voilà. Et ouais, donc ça a été principalement geekage et siestage. Hier, j'ai fait une sieste de 4 heures. Après, j'ai très mal dormi. Pas beaucoup et très mal. Mais j'ai fait une sieste de 4 heures quand même.
Mamie était fatiguée, hein, beaucoup fatiguée. Hein. Ce matin, j'ai reçu ma monétisation YouTube. Donc, j'ai anticipé. J'ai fait ma commande Shein, la dernière que je voulais faire avec le jeans absolument que je voulais. Il n'y a pas que le jeans, hein, vous tout est bien. Donc, d'ici une quinzaine de jours, vous aurez le haul. Je me suis trouvé un pull trop pour moi. Vous verrez. Donc, je viens de faire ça. Avec la petite rentrée d'argent, enfin petite, la belle rentrée d'argent que je dois avoir, je vais normalement pouvoir aller chercher mon PC fin de semaine. C'est magnifique. Magnifique. Grâce aux ventes Vinted aussi, donc merci à ceux qui me font des achats. Vous avez le lien en barre d'infos, hein. N'hésitez pas à aller faire un tour. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, donc j'ai fait ma commande Shein, je pourrais aller chercher le PC. Et du coup, PC, je vais prendre un PC portable gamer. Donc je serai sous Windows pour faire tout sauf le montage. Comme ça, le montage, je le garde pour l'instant sur mon gros Mac tant qu'il ne rend pas l'âme. Et une fois qu'il aura rendu l'âme, je passerai sur Filmora, sur l'autre PC, parce que 330 balles FCPX, enfin Final Cut, et 60-70 euros Filmora, le choix est vite fait, quoi. Voilà. Et comme sur Mac, j'aime énormément mon Mac, ça fait 8 ans que je suis dessus maintenant, mais je suis hyper limité. Surtout que je vous disais que les jeux que je préférais tournaient dessus, comme les Sims et Guild Wars 2, et Guild Wars 2 ne tourne plus dessus, ils ne le prennent plus en charge. Donc je trouve ça absolument dégueulasse, parce que moi j'ai acheté le 1, j'ai acheté sur PC, puisque j'étais sur PC à l'époque. Hein. Le 2, je ne sais plus. Je l'avais acheté pour PC de base, mais j'ai continué, j'ai acheté les add-ons parce que j'étais sur Mac et qui tournaient sur Mac. Mais ceux qui l'achètent, qui l'ont acheté pour jouer sur Mac, ben, ils se sont fait baiser parce que du coup, ils ont payé pour rien puisqu'ils tournent plus dessus. Voilà. Parce que ça, Enzo a voulu jouer et j'ai dit, bah, tu peux jouer sur mon Mac puisqu'il tourne dessus. Et là, on a eu un message qu'il n'était plus pris en charge par Mac. Donc, voilà. Du coup, les gosses récupéreront, entre guillemets, ça restera bien, mais je le reprêterai plus facilement quand je pourrai jouer sur l'autre. Le petit PC portable que j'utilise normalement pour faire les lives, je l'utilise normalement que pour ça, sauf que là, mon jeu tourne dessus. En parlant du jeu, il y a bientôt un deuxième volet qui va sortir. Ça sera My Time at Sandrock. Donc, c'est exactement la même chose, sauf que c'est une nouvelle ville. Et j'ai vu les graphismes dans la bande-annonce qui ont l'air vachement mieux encore que celui-ci. Je suis à fond. Celui-là, le jour de sa sortie, je l'achète. Voilà. Je vous mettrai le trailer en barre d'infos si j'y pense. Mais il a l'air trop bien. Voilà, j'ai hâte. Et il sort apparemment, normalement il serait sorti sur Steam en version test, que en anglais ou en chinois. Il faut que je regarde si je peux l'avoir en anglais, parce que quand moi je clique dessus, ils me disent que je ne peux pas l'avoir parce qu'il n'est pas dans ma langue. Mais peut-être que si je change l'anglais, il faut que je vois s'il faut le payer ou si c'est juste un test gratuit. Je pense qu'il faut payer quand même les tests anticipés. Et sinon, il est prévu pour printemps-été 2022. Donc le temps que je finisse mon jeu, je pense que ce sera pas mal, parce que voilà, je vais finir bientôt les missions, je pense, sur le mien. Mais après, il y a encore tout reste à faire, hein, continuer à grandir ma maison, à sociabiliser le musée que je dois remplir. Il faut que j'aille voir ce que je peux mettre ailleurs dans le musée parce que j'ai pas tout compris. Mais voilà, je suis trop emballée, je suis contente. Donc voilà pour ça. Je crois que j'avais rien d'autre de spécial à vous dire aujourd'hui. Il me reste 2 commandes que j'attends AliExpress et puis je pourrais vous tourner le haul pour regrouper. Après, je vous montre tout dans le vlog, enfin souvent en vlog, mais ceux qui n'ont pas suivi les vlogs ou qui ne suivent pas les vlogs, ben vous aurez quand même un résumé de ce que j'ai acheté. Puis comme ça, vous aurez tous les liens regroupés de ces derniers temps. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc là, je vais aller manger parce que j'ai une dalle. J'ai faim. Je ne sais pas quoi manger, mais je vais manger. Et je vais faire ma sieste. Je crois que c'est un très 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 bon programme. Alors, je ne vous ai pas pris hier, là il est 10h18. Je vais tourner le Random Color Challenge que vous avez eu. Hein. Donc je vous mets en barre d'infos. Et je vous mets également le haul que je vais vous tourner probablement demain pour samedi. Vous aurez une vidéo bonus, enfin vous avez eu une vidéo bonus puisque je viens de recevoir ma commande Douglas. Je vais vous montrer.
Et je viens de faire une commande Boozy Shop. Là, je vais me coiffer, faire mon teint, enfin mon pseudo-teint, puisque bronzer, blush et tout ça, je vais faire dans la vidéo. Donc, je me suis dit, je vais vous prendre un peu parce que, voilà. Après, il se passe pas grand-chose, là. Je fais absolument rien, à part geeker. Geeker et dormir. Voilà mes passions en ce moment dans la vie. Donc c'est un peu, je vais pas vous filmer quand je geek et je vais pas vous filmer quand je dors non plus. Donc c'est un peu chiant. Je pense que le vlog sera assez court cette semaine. Enfin je dis ça toutes les semaines, mais toutes les semaines il fait presque une heure. Et voilà, je perds mes cheveux à mort. Donc je viens de recevoir ma commande Douglas. J'ai commandé ça hier. Voilà, on testera ça demain pour vous, donc lundi. La Italian Summer. Je sens rien. Voilà. Elle me faisait vraiment, vraiment de l'œil au reveal. Mais j'avais dit que j'attendrais un bon de 25% minimum. Et j'ai eu mon bon de 25% sur Douglas. Il était valable hier pour moi de 18h à minuit. Donc je me suis jetée dessus. Maintenant, je vais essayer de négocier pour que Chéri me rembourse les sous et qu'il m'offre ça comme cadeau de mariage. Puisque le 25, c'était notre anniversaire de mariage. Donc il peut bien faire ça. Hein. Moi je dis. Et donc oui, j'ai fait une commande de 60 balles pour le fond de teint à 5 euros de la nouvelle gamme Révolution là, que Amy aime tant. Donc je lui ai dit, voilà, je viens me claquer 60 balles à cause de toi. Alors elle me dit, mais enfin, le fond de teint il est 5 euros. Oui, mais elle ne pense pas aux frais de port gratuits et au cadeau. Non, mais oh. J'ai un poil sur ma lunette ou je rêve hein. J'ai une griffe, ouais. Ouais, j'ai une griffe sur mes lunettes. Putain, il est temps que je change, mais genre, j'ai toujours pas l'offre avec les verres gratuits, ça m'énerve. Donc, bon, j'ai pas commandé que ça, hein, vous vous doutez bien. Mais j'ai pas acheté trop de conneries non plus. Bon, après, sûr, il y avait rien que j'avais vraiment besoin. J'ai racheté des pinceaux de la marque Boozy Shop, dont un pour la poudre qui me faisait vraiment de l'œil, alors que j'utilise que très peu de pinceaux poudre. Enfin, si, j'en utilisais un tous les jours pour balayer l'excédent de sur mon visage, mais voilà, il me faisait de l'œil. J'ai pris un pinceau highlighter, enfin, vous verrez ça, enfin, vous l'avez vu dans le haut de toute façon. Et on crash testera les pinceaux demain. Le fond de teint, la palette là, ce sera déjà pas mal. Hein. Donc je vais commencer par mettre ma base, je mets celle-ci pour changer un peu de la NYX et pas descendre trop vite ma NYX parce qu'elle est chère. Donc là c'est celle de chez Action, la hydratante que j'aime beaucoup, j'avais reçu en cadeau de la part d'une abonnée. Je l'aime bien, c'est sûr qu'elle ne vaut pas la NYX. Hein. Mais elle est très bien si vous cherchez une base hydratante vraiment pas chère. Foncez sur celle-là. Et donc voilà, mais je reste quand même en low buy, comme ça après je mets de côté pour mon appareil, puisque vous savez que j'ai acheté celui-ci, mais que je dois enregistrer le son avec mon téléphone, puisqu'il n'y a pas de prise jack, et j'avais acheté celui-ci juste parce que le réflexe avait rendu l'âme, et que je ne pouvais pas rester sans filmer, donc il me fallait quelque chose, au moins pour une image correcte, quoi. Mais le son est vraiment merdique, si je ne vous mets pas le son du téléphone, c'est merdique. Donc je pense que si j'arrive à remettre de côté pour m'acheter celui que je veux, qui est le même que MX, c'est le Mark III, le G7X Mark III de chez Canon, qui est un hybride comme celui-ci, sauf que il a la prise jack et tout ça. Et j'aimerais bien prendre le kit vlogger sur Caméra Express, puisque là, il y a la télécommande avec. Alors, je commence par mettre mon anti-cerne puisque je vais mettre un fond de teint poudre pour bien blender les fards après. Hein. J'ai préparé des palettes en espérant pas devoir trop piocher dedans non plus pour pas les foutre en l'air. Parce que alors là, je pleure. J'ai pris des plus grandes pour avoir le plus de choix de teintes. Quoi. Ça va être chiant, je vais devoir couper. Alors, je plaque pas mes sourcils hein, parce que je vais pas rester maquillée longtemps. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais devoir à chaque fois chercher la bonne couleur par rapport à ce qu'il donne. Oh là 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 là. Je sais pas pourquoi vous m'avez demandé cette vidéo là. Donc là je mets juste l'anti-cerne, mais je vais en mettre également sur ma paupière mobile parce que je vais pas mettre de la base. Hein. On va pas éviter que ça accroche le trou quand même. Hein. Voilà, juste la trace de mes lunettes.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le tracing. Donc, comme vous le savez, Chéri était positif hein, au Covid. Donc, du coup, le tracing nous a appelé Enzo et moi, lui, hein, pendant plus d'une demi-heure, déjà, Chéri. Et ils nous ont appelé aussi pendant, enfin, tous les deux, Enzo et moi, pendant 20 minutes chacun, pour nous dire exactement la même chose que ce qu'ils avaient déjà dit à Chéri. Donc, ça, c'était le jour où on a appris qu'il était positif. Hein. Et depuis, ils nous appellent tous les jours, mais tous les trois. Tous les jours pour voir si on a été faire le test. Mais quoi, vous avez besoin d'un quota de tests positifs ou ça se passe comment là? Parce que je vois pas pourquoi j'irai faire le test maintenant. Je dois le refaire avant de faire mon vaccin. Donc là, que je sois positif ou pas, d'ailleurs, on se doute que je suis positif puisque j'ai été malade aussi quelques jours. Que je sois positif ou pas, ça change quoi? On est quand même en isolement. On sort pas de chez nous, on voit personne. Donc voilà quoi. Ça change quoi? Juste à part savoir et avoir un test de positif en plus. Franchement, ça me pompe. Là, j'attends. Ils m'ont déjà appelé ce matin à 9h. Ils ont appelé d'abord Chéri, puis moi. Donc, je suppose qu'ils ont essayé de joindre Enzo aussi. Mais bon, lui, pour le réveil à cette heure-là, tu te brosses, hein, Coco. Donc là, j'attends qu'ils rappellent, parce qu'ils m'ont rappelé. Hein. Et je vais les envoyer boulier. Hein. Non, mais oh. C'est bon, quoi. On a l'impression d'être des pestiférés, là. Vous avez fait votre test, mais ça change quoi? Pas besoin de faire le test maintenant. Mon vaccin, c'est le 12 juin. Je poudre avec la poudre Révolution, la CD Hyaluronic. Donc je poudre mon anti-cerne pour commencer. Franchement, ils sont chiants, mais alors chiants. Première fois qu'ils ont appelé, j'ai dit, oh, c'est gentil, ils prennent de nos nouvelles, quoi, et tout, sympa. Voilà. C'était sans compter qu'ils allaient taper tous les jours. Hein. Je prends un pinceau poudre pour poudrer ma base. Donc si vous vous demandez pourquoi je fais ça, je vous remets le crash test de mes fonds de teint poudre, les deux, le Révolution et le L'Oréal, en barre d'infos, comme ça vous verrez. J'explique tout. Alors, je prends une houppette, je prends mon fond de teint, donc je prends celui de chez Kiko. Parce que comme il est un petit peu trop foncé, c'est celui que je préfère le moins des trois. Comme ça, je le dis un peu. Mais alors, oh, j'aime toujours autant son odeur, celui-là. C'est dommage que les autres ne sentent pas... Le L'Oréal, il sent. Vous voyez qu'il est un peu trop foncé. Un peu trop jaune, en fait. Il n'est même pas trop foncé, il est trop jaune. Le L'Oréal, il sent le parfum d'homme à mort. Donc, moi, j'aime pas trop les produits trop parfumés comme ça. Quand c'est... Des odeurs un peu réconfortantes et gourmandes comme le monoï ici ou la coco, des choses comme ça, ça va. Mais là, le parfum d'homme, c'est énorme, quoi. C'est comme les produits Revuel. Les produits Revuel, j'adore. Franchement, c'est des très bons produits pour vraiment pas cher sur Maki Beauty, là. Mais ils sentent fort l'homme. Vraiment le parfum, quoi. Si vous avez une peau sensible et que vous êtes sujet aux migraines, je vous conseille pas les produits Revuel, quoi. Prenez plutôt les IAGA. Bon, le teint sera pas glorieux. Hein. Oh, on s'en fout. De toute façon, le make-up sera pas glorieux non plus. Donc, je vais vous dire. Et puis, demain, je reçois ma commande Beauty Shop, du coup. Donc, je filmerai le haul, le crash test. Je pense que je ferai le crash test avant le haul, du coup. Comme ça, je serai maquillée pour le crash test. Enfin, ça dépend à quelle heure je reçois ma commande. Ouais, post-NL, en principe, c'est 2 heures. Non, alors ce que je ferai, je tournerai le haul demain quand je reçois ma commande. Et je tournerai le crash test après-demain quand j'aurai reçu ma commande. Ça, c'est une idée qui est bonne. Voilà, bah écoutez, mon teint est prêt. Enfin, mon teint, entre guillemets. Hein. Je vais juste un coup brosser mes sourcils. Ils sont pas en l'air, ça m'énerve, mais. Ça sert vraiment à rien de les plaquer là pour me démaquiller dans une heure. Hein. Voilà. Bon, je filme le Random Color Challenge et je reviens vous voir. V'là la tête, quoi. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que vous me faites pas faire? Je vous déteste, je vous déteste. Là, je vais les montrer à mes hommes. Ça va être gag. Enfin, montrer. Je vais descendre fumer une clope, en fait, et ils vont voir. Et ça va être gag. Parce qu'ils vont royalement se foutre de ma gueule.
Il faut que je descende mes pinceaux pour les laver parce que c'est un carnage. J'en ai plus de propre là. Si, j'en ai encore, mais plus ceux que j'utilise en tout cas. Donc ça c'est pour descendre, ça c'est pour ranger. Je range en même temps, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Voilà. Ça c'est pour descendre. Ça c'est pour descendre. Ça c'est pour ranger. Ça c'est Pibel. Donc, voilà, je crois que j'ai fini. J'avais dit que je me démaquillerais avec vous, mais je ne vais pas me démaquiller tout de suite. Je vais d'abord fumer une clope. Et puis, je me démaquillerai et je reviens vous prendre pour vous montrer comment je prépare mes photos sur Insta. Voilà, comme ça, vous verrez un peu, mais je vous filmerai ça avec, non pas avec le téléphone, puisque si je vous filme avec le téléphone, je ne peux pas vous prendre les photos. Donc, voilà, je vais me boire un café, fumer une clope, me démaquiller et je reviens après tout ça. Alors, il est 9h43 et je vais me maquiller avec vous parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc, je vous ai fait un sondage sur Insta hier et vous avez dit que oui, je me maquille avec vous. Voilà, tout simplement. Donc, je vais me maquiller et vous raconter ce que j'ai à vous raconter. Et voilà, donc je vais commencer par mes sourcils. Je suis pas bien réveillée, enfin je suis réveillée depuis 6h30. Ça faisait très 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 longtemps que je m'étais pas réveillée ici tout. Mais vraiment longtemps. J'ai une paillettasse. C'est la merdasse. Bon, ça va, c'est parti. Donc, j'ai plein de choses à vous dire, mais je sais pas par où commencer. Par boire un coup de café, je pense. Donc la grosse flatch que je suis a oublié de laver son éponge. Elle n'a pas lavé son éponge. D'ailleurs, il faut que j'aille mouiller l'autre, j'ai pas pensé non plus. Ce qui veut dire qu'on va mettre du fond de teint poudre. Voilà. Pour l'instant, je suis mes sourcils. Donc, par quoi je vais commencer ? Par mon test PCR. Tiens. Je vous ai parpris hier, justement, à cause de ça. Je vous ai dit que le tracing, ça vire au harcèlement. Hein, mais je vous jure vraiment du harcèlement. Quoi. Il nous appelle Chérie, moi et Enzo deux fois par jour. Quoi. Tout ça pour savoir si on a été faire le test. Donc, j'ai été faire mon test pour qu'il me foute la paix, tout simplement. Et pour être sûr, pour samedi prochain. Puisque j'ai bien regardé le calendrier. Et moi, je pensais y aller samedi prochain. Mais je suis débile parce que j'aurais pas les tests avant d'aller chez Amy. Donc, après la semaine, je ne sais pas y aller puisque Chéri reprend le boulot lundi, là. Et alors, du coup, j'ai pas de voiture. Donc, je me suis dit, bon, on va vers le test, hein, comme ça, ils nous foutent la paix. Mais du coup, que j'avais un symptôme, puisque j'avais le nez qui coulait et que j'avais mal la tête quand ils m'ont appelé la première fois. Mais je suis migraineuse, les gars. Normal que j'ai mal la tête de temps en temps, quoi. Donc... ils me disent que je dois passer par mon médecin traitant. Je téléphone à mon médecin traitant, qui est un vieux médecin de campagne, qui est censé être à la retraite, mais qui ne prend pas sa retraite. Donc lui, et tout ce qui est technologie, il a mis des années à se mettre à l'ordinateur, hein, à informatiser ses fiches patients. c'est encore des petits bouts de papier. Donc je téléphone. Sans grande conviction, et là il me dit non, tu sais, dis-moi la technologie, je sais pas envoyer les codes par SMS, tout ça. Il me dit, je te conseille de téléphoner à un autre médecin. Donc j'ai dit, je vais téléphoner à celui qui le remplaçait la semaine dernière, parce qu'il était en congé, et que c'est lui qui a donné les codes à CED, enfin à mon homme. Oui, mais sauf que du coup, c'est son remplaçant qui était en congé. Donc, deuxième médecin que j'appelle, pas moyen. Pour finir, j'en trouve un que j'avais déjà été voir une fois, qui remplaçait une autre fois mon médecin à moi. Et puis là, la secrétaire me dit, non, on ne prend plus de nouveaux patients, hein, il est débordé. Ah, mais je ne veux pas être patient, je veux juste un code. Ah oui, mais non, il faut être patient pour pouvoir avoir le code. D'accord, donc troisième médecin, toujours pas de code. Elle me redirige vers un autre médecin, une femme du coup, que j'essaye d'appeler, qui répond pas. C'est pas possible. Je vais pas faire 50 médecins pour avoir un code SMS, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rappelle le tracing. Voilà. Parce que si vous n'avez pas de symptômes, c'est eux qui vous donnent le code. Si vous avez des symptômes, il faut passer par un médecin. Logique. Je rappelle et je tombe sur une jeune fille qui m'a trop fait rire. Elle était bien sympathique.
Et je lui dis, écoutez, ça fait 5 médecins que j'appelle. Disons qu'on est un peu marre, quoi. Je vais pas faire que ça de ma vie pour avoir un code SMS, quoi. Bah non, je comprends. Bah écoutez, je vais vous en donner un. Hein. De toute façon, vous avez fait ce qu'il fallait pour essayer d'en avoir un et vous l'avez pas eu. Donc je vais vous en donner un. Genre, ils auraient pas pu me le donner la semaine dernière, quoi. Bref. Alors je vais mettre ma base, je vais changer un peu, je vais mettre la action. Donc, je regarde pour prendre rendez-vous, pour aller faire le test. Mais il était midi et demi quand... un peu avant midi et demi. Je regarde pour un rendez-vous pour prendre le test, c'était jusqu'à midi 50. Donc on n'est pas non plus à l'autre bout de la planète, mais on avait quand même une petite vingtaine de minutes, 15-20 minutes pour y aller. Sans compter les bouchons. Je me suis super bien démaquillée, je trouve. Et donc du coup, je me dis, ouais, je vais faire caca. Moi, j'ai dépêche-toi, parce qu'après, on doit partir. Donc du coup, j'ai repris le rendez-vous pour Georges en même temps, comme ça, il a fait son deuxième test PCR aussi. Pour être sûr, hein, puisqu'il devait en refaire un à partir du 26, et hier, on était le 27. Nous voilà partis pour faire le test. Attendez, il faut que je mouille mon écran. Il faut que je prenne une loupette aussi. Une loupette. Je reviens, je vais mouiller ma petite éponge caca là pour juste mettre mon anti-cerne. Parce qu'au tracing, la femme elle me dit oui, mais je vois, la première que j'ai eue, elle me dit oui, mais je vois que vous avez des symptômes quand même importants. Donc, nez qui coule, mal de crâne et toussé. J'ai le nez qui coule toute l'année, 365 jours par an. Voilà. Je suis migraineuse, donc j'ai stress ou mal à la tête. Et je tousse comme un pompier parce que je fume comme un pompier. Voilà, donc il n'y a pas de surprise. Oh là là, je vous jure, j'étais énervée. Je mets mon anti-cerne, donc là, cette focalure, j'essaie de le finir. Oh, je me suis tellement bien démaquillée. Donc je mets juste sur les cernes et la trace de mes lunettes qui me fait de nouveau super mal. Là. Je sais pas pourquoi, des fois, elles me plaisent carrément. Il est temps que j'aille la promo des verres gratuits là, pour... pouvoir aller en refaire. Et je vais mettre mon anti-cerne aussi sur ma paupière. J'ai pas besoin de base, vous allez voir. Je vais faire un make-up que j'ai vu sur Insta. Donc, nous voilà partis avec Georges pour faire le test. On rigolait avec la femme. Il n'y avait personne, on est passé à l'avance. On rigolait avec la femme parce que je lui disais que moi j'angoissais un peu à l'idée de le faire. Quoi. J'aime pas trop qu'on me chipote le nez déjà de base. Et elle me dit, ah, vous inquiétez pas, mais ça, il dit, bah attends, je le fais d'abord, comme ça, tu vois comment ça se passe, puisque lui, il avait déjà fait. Et puis, Sam, il commence à voir les larmes qui coulent et tout. Elle me dit, ah, vous inquiétez pas, ça, c'est normal, hein, c'est pour tout le monde pareil. Elle me le fait à moi, rien, pas une larme, rien, ça me chatouillait le nez, mais sinon, c'était pas... Elle rigolait après. Elle dit, bah, vous aimez me contredire, mais ça, c'est mon esprit de contrariété, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc on rentre, et puis, parce que je lui dis, sauf que les tests pour Georges et Chérie, la dernière fois, on les a jamais eu, les résultats, quoi. On a su que mon homme était positif parce que le tracing a appelé, mais sinon, on n'a jamais reçu les résultats. Mais de toute façon, c'est pas normal. Elle dit, au bout de 48 heures, si vous les avez pas, il faut appeler votre médecin traitant, ou alors vous appelez directement le laboratoire pour savoir. Puis je regarde sur le côté, c'est marqué en gros, n'appelez pas le laboratoire pour avoir vos résultats. Et j'étais mort de rire. Enfin bref, elle nous aura bien fait rire. Je vais poudrer avec celle-ci, donc l'anti-cerne et le teint à la base pour pas faire de taches de fond de teint. Il faut vraiment que je lave mes pinceaux. Bon, il me reste tout ça en pinceau teint, hein. Mais c'est ceux que j'utilise pas. Enfin, pas régulièrement, on va dire. Et donc j'ai reçu mes résultats, Georges aussi, on est négatifs tous les deux. Maintenant, est-ce que j'étais positif avant et que c'est moi qui ai contaminé Chérie et que du coup, lui, il a tout refilé à sa collègue, qui est très mal au passage, la pauvre. Je ne sais pas, mais bon, moi, je suis négatif maintenant, donc je suis tranquille aussi bien pour le samedi, le rendez-vous avec les filles, et aussi bien pour... pour mon vaccin. Donc, voilà pour ça. Georges a reçu les siens, il est négatif aussi, donc on est tranquille. Donc, le test PCR... C'est bon, je vous ai raconté. Alors hier, c'était l'anniversaire d'Emmy aussi. Moi, je l'ai chambré toute la matinée. Et le soir, c'était Chérie qui s'y mettait. Mais moi, j'étais mort de rire. J'en pouvais plus, je pleurais entre les deux. Là. En fait,
J'écrivais ce que Chéri me disait pour Je fous de la gueule d'Amy, et je lui lisais ce que Amy m'envoyait, et j'imagine que Amy était mort de rire de l'autre côté aussi, hein, mais Chéri était mort de rire dans son coin, dans le canapé, moi sur mon fauteuil, en train de taper les messages, que je faisais la chouette là, à leur délivrer les messages l'un l'autre. Je n'en pouvais plus. J'étais mais vraiment, vraiment mort de rire. Le fond de teint, je prends le infaillible. Pour changer un peu. Hein. Je change un peu mes produits de temps en temps quand même. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Hier, j'ai fait donc une commande Boozy Shop. Pour celles qui me suivent sur Insta, vous le savez. Comme j'ai dit à Amy, j'en ai pour 60 balles de ta faute. Mais je crois que je vous l'ai dit avant-hier pour le blog, je ne sais plus. Alors elle me dit, ouais, mais t'as commandé le fond de teint à cause de moi à 5 balles, je vois pas pourquoi t'en as pour 60 euros. Ben, les frais de port et les cadeaux, oblige quoi. Donc on se fera un petit crash test. Là, je me prépare pour vous tourner le haul une fois que j'aurai reçu ma commande, que vous avez eu hier. Et le crash test, on se fera ça demain pour vous. J'ai des moments tendres pour pauvres en ce moment. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un crash test de nouveautés. Bon, il n'y aura pas excessivement, parce que comme je vous l'ai dit, le principal, j'ai acheté le fond de teint là, que je voulais. Il y a la palette Anastasia à tester de Douglas. Et des pinceaux. Voilà, principalement. Sinon, j'ai acheté beaucoup de lip mask, comme vous avez pu le voir. C'est ma nouvelle obsession. J'en ai toujours une. Donc, en clair, j'ai commandé aussi mon PC hier, que je reçois demain. Donc je vous montrerai lundi, hein, en tant que blog, la semaine prochaine. Je le reçois demain, donc je l'ai payé 805 euros à cause de TVA belge. Si je le faisais livrer chez mon frère, je gagnais un petit pourcent, quoi. Je le payais 799 à la place de 805. Mais bon, je préfère le faire livrer chez moi vu qu'on est quand même encore en quarantaine, hein, pendant quelques jours. Et du coup, c'est grâce à vous quand même une grande partie. Donc je vous ai dit, j'ai eu une rentrée d'argent que j'avais complètement zappé, que je devais avoir. En fait, j'ai eu mes congés payés, hein, oui, parce que même en invalidité, on a les congés payés. J'ai toujours mes congés payés, en fait, du montant que j'avais pendant mon travail. Donc j'en ai profité, j'ai acheté également Filmora. Puisque j'ai commandé un PC Windows, hein, c'est un PC gaming. Blush et bronzer, je prends celle-ci. Je vais garder le même pinceau que j'ai poudré en dessous des yeux. Donc du coup, j'ai acheté Filmora aussi, sauf que je ne l'ai pas eu en réduc. Amy, elle me dit, ah, en ce moment, il est à 50 balles, mais moi, je ne le voyais qu'à 60, en fait. Plus la TVA, donc je suis arrivé à 70 balles pour l'acheter, quoi. Mais c'est qu'une fois, et comparé à Final Cut Pro qui est à 330 balles, j'ai envie de vous dire, oh, c'est pas plus belle. Donc comme ça, tant que le Mac fonctionne correctement, j'ai quand même encore Final Cut pour les montages pressants. Et pour quand il y a des montages que j'ai un peu plus le temps, ben, je me mettrai sur Filmora, histoire de le reprendre en main. Parce que comme je crois que je vous l'ai dit dans la partie d'hier, c'est l'ancienne version de Wondershare. Et Wondershare, c'est ce que j'utilisais avant de passer sur Mac, en fait. Mais sauf qu'à ce moment-là, il était gratuit, n'est-ce pas? Ce qui n'est plus du tout le cas. Après, bon, ça va, hein, 70 balles pour avis, c'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà, ce week-end, j'ai de l'occupation, en espérant que je le reçoive bien demain. Sinon, ça sera lundi, hein, c'est pas très grave, mais... je vais devoir tout transférer de mon Mac, les trucs les plus importants sur l'autre PC. Ça va m'occuper, et voilà. Donc c'est en partie grâce à vous, puisque sur les j'ai eu à peu près 800 euros de congés payés, j'ai dépensé que la moitié, en fait. Bon, certes, se fait la malle. Le reste, j'avais réussi à mettre 400 euros de côté ce mois-ci, grâce à vous. Avec la monétisation, bon, mon budget du mois aussi, et encore pas tout, j'ai pas tout mis. La monétisation et qu'est-ce que j'ai eu encore? Bah, les ventes Vinted. Donc vous avez tous mes liens en barre d'infos. Hein. Mes ventes Vinted. Mon Vinted, oui, est en
en mode vacances, puisque comme on est en quarantaine, là je vais pouvoir le remettre ce week-end, je pense, ou peut-être lundi. Puis après, il faudra que je fasse les nouvelles ventes. Puisque chéri peut reprendre le travail lundi, donc lui il a fini sa quarantaine et que c'est lui qui va livrer les colis. Donc je vais pouvoir le remettre bientôt. Et mes ventes Vinted, la monétisation, d'ailleurs je vais encore avoir ce mois-ci, vous avez géré grave encore, je vais encore avoir de la monétisation ce mois-ci. Les parfums Nox aussi, bon là je les ai pas encore eu les sous, mais je suis déjà à 45 balles quoi, c'est un truc de fou, en 3 semaines, vous êtes géniaux, franchement géniaux. Donc tous mes liens de parrainage et tout ça sont en barre d'infos, hein. On n'avait plus qu'à aller voir. Voilà, voilà, sinon... je vais mettre l'highlighter de la même palette sur mon bout du nez et mon arc de Cupidon, puisque je remettais un pailleté ici, donc on va quand même pas exagérer. D'ailleurs, l'highlighter, je sais pas pourquoi je fais ça, je le mets pas maintenant normalement. Donc voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment géniaux parce que vous m'aidez énormément. Et alors, est-ce que je reste en no-buy ou pas? Suspense, je vois un coup. Je vais rester en low buy. Parce que je vois bien que quand j'arrive à me maîtriser, j'achète pas des trucs qui me servent à rien. Quoi. Surtout que quand je vois le nombre de palettes et tout ça que j'ai largement assez de quoi faire. Donc je vais rester quand même en low buy le max que je peux. Puisque maintenant je vais mettre de côté pour mon appareil. Vu que vous m'aidez tellement et que voilà, pour l'instant mes dents, c'est à peu près bon. Après, ça sera quand même pour les dents, je pense. C'est un plus gros budget, mais je pense que je vais quand même finir par demander un dentier. Pour que ce soit vraiment. Est-ce que mes racines sont plus jaunes que le reste des dents? Mes dents sont blanches, hein. C'est vraiment les racines qui jaunissent. Mais bon, avec tout le café et le tabac, c'est normal. C'est pas bien. C'est normal. Donc voilà, ça sera pour après. Je pense que je vais demander au moins déjà pour commencer une prothèse pour les 6 dents du bas ici où on voit ma gencive, hein, enfin mes racines puisque j'ai plus de gencives. Donc ça sera pour après. Pour l'instant, je vais mettre de côté pour l'appareil photo. Vu que ça va quand même relativement vite, je me dis qu'en quelques mois, je pourrais me l'acheter. Je pourrais revendre celui-là aussi au passage. Et comme vous m'aidez vraiment beaucoup, et ça je vous remercierai jamais assez parce que je vous remercierai jamais assez aussi des nouvelles que vous avez prises là quand vous avez su que mon homme était positif et qu'on était en quarantaine. Il y a plein d'abonnés qui m'ont envoyé des messages pour me souhaiter voilà, de ne pas être malade, que tout se passe bien, que lui ne soit pas non plus trop malade. Et j'ai reçu aucun message de ma famille. On voit tout de suite où est la famille quoi. J'ai envie de vous dire. Quand je dis que j'ai une famille ici, je n'invente rien. J'ai personne qui a pris des nouvelles. On pourrait être en train de crever dans notre coin, j'ai envie de vous dire, ça ne dérangerait personne. Donc j'avais dit que le vlog serait assez court, mais du coup, je crois que rien que cette journée-ci va rattraper. Parce que bon, là, je fais le make-up et puis je clôture après, mais j'ai encore des choses à vous dire. Donc, voyez. Je sais pas me taire, c'est quand même un truc de fou, hein, la grande gueule que j'ai. Mais vous aimez ça, hein? Oui. Alors, qu'est-ce qui me restait à vous parler? Non, j'ai fini de vous raconter ce que j'avais à vous raconter, en fait. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais rester en low-buy. Pas en eau, mais au moins en low. Je vais mettre l'highlighter qui m'y fixe, là. Puisque j'ai besoin de rien, clairement. Je crois que vous avez commencé à le comprendre. Hein. Là, la commande Boozy Shop et Anastasia, là, c'était vraiment un petit plaisir que je voulais me faire. Surtout la palette Anastasia. Franchement, dès que j'ai vu le reveal, j'ai craqué dessus. Alors oui, j'en avais pas besoin. Hein. Des produits de teint, j'en ai, que j'arrive pas à terminer. Donc j'espère que j'arriverai à vite me mettre sur Filmora. J'en doute pas trop parce que les montages, voilà, ça fait quand même 9 ans que j'en fais. Donc je suis quand même passée par pas mal de programmes de montage. Le tout premier, c'était Windows Movie Maker. Je l'aimais bien, celui-là. Alors, je vais faire un make-up. Je vous inclus une photo quelque part
Si j'y pense. Non, je vais vous montrer mon téléphone parce que j'ai oublié. J'ai vu ça ce matin, donc je me suis dit, ou hier soir, je ne sais plus. Je me suis dit, oh, bah tiens, j'aime bien, je vais faire ça. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de la technique du mouchoir de Indy que j'avais fait dans Hadès pour le teint. Je vous la remets en barre d'infos. Et ben là, j'ai vu une fille qui faisait son make-up avec... attendez, je suis perdue. Je suis complètement perdue. J'ai du mal à lire. Alors, mamie, elle a déjà pas ses lunettes. Donc là, j'ai vu une fille qui l'a fait avec les mouchoirs. Make-up. Voilà, vous avez compris un peu le principe. Donc, je vais faire ça. Je vais essayer. Voilà. Et je vais blinder mon anti-cerne qui a déjà commencé à filer, même qui est poudré, cet enfoiré. Alors, par contre, pour la technique du mouchoir, je vous conseille de prendre un mouchoir en papier solide, comme ça, pas un tout mou, vous savez, des boîtes, là. Parce qu'ils sont trop mous et ils ne font pas un beau chiffonnage. J'ai quand même poudré mon arcade sourcilière avec mon fard beige. Mais je crois que j'en ai un dans la palette ici. Que j'ai préparé. Bon, il est un peu jaune. Donc je prends le pinceau, je mets la lighter. Hein. C'est juste pour être sûr que ça file pas à droite à gauche. Voilà, j'avais envie. Puis c'est un make-up assez facile à faire. Il n'y a pas besoin de pinceau. Enfin si, on va devoir en avoir besoin quand même pour le ras de cils. Mais voilà, et il faut que je lave mes pinceaux absolument après, tout est fou. Donc je pense que je laverai mes pinceaux une fois que mon montage enregistre, parce que c'est tout de fou. Donc je prends mon petit mouchoir, je l'avais à l'ouvrir. Faut que je me dépêche un peu avant que le facteur arrive. Alors c'est pas le facteur qui me dépose le colis, mais combien. Vous essayez d'avoir un beau chiffonnage. Voilà, là je crois qu'on est pas mal. Je prends la Beauty Bay, celle-ci, la Book of Magic. Et je vais commencer avec le bleu ici, le plus foncé. Mais pas tes ongles dedans. Donc vous frottez pas, hein, vous tapotez avec mouchoir. Là je l'ai fait un peu gros. Et vous appliquez, donc là je vais le mettre dans le coin externe. Ouh, c'est vrai que c'est joli sur les yeux. Voilà, j'ai envie de bleu aujourd'hui. Pareil, hein, vous frottez pas sur votre paupière. Vous tapotez juste un coup. On change de coin de mouchoir, on prend un propre. On rechiffonne. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Je mets à la suite. J'adore. Donc je superpose un peu les deux côtés. Hein. Oh, j'adore. C'est trop beau. Ensuite, je reprends un autre bout que j'essaye de faire un peu plus fin. Bien chiffonné aussi. Et je vais prendre le ici. Pour faire la partie interne de ma paupière. Oh, mais c'est trop beau. Ouh, c'est une chute là? Bah oui, j'ai fait une chute. Je crois que vous allez voir ce make-up assez souvent. J'adore. C'est trop beau. Bon, je vous passe de merdasse. Ah, c'est qu'elle est loupette. Bon, tant pis, on fera comme si vous n'aviez rien vu. Ça s'intègre aux 11h presque. C'est trop beau. Alors, je vais prendre un pinceau pour faire le ras de cils que je vais faire avec le bleu ici. Oh, cette palette. Pigmentation de fou. Franchement, Beauty Bay. Je prends un tout petit peu du plus foncé pour le coin externe. J'essuie mon pinceau et je prends un petit peu de celui-là pour bien blender. Alors, et avec un petit pinceau crayon, je prends le ici pour le coin interne. Voilà, je vais mettre du mascara, du rouge à lèvres, je vais aller recharger ma batterie et je vais me redire au revoir après que j'ai tout fini. Voilà, à tout de suite.
J'arrête pas d'éternuer. Donc il est 11h59, ça va. Le facteur est passé. J'ai eu un petit colis AliExpress. Je vais vous montrer. J'ai l'impression de ne pas être super bien centrée là. Oh, j'ai une guicoule maintenant. Donc voilà le make-up, ce que ça donne. J'aime beaucoup. Beaucoup, 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 bien sûr. On voit ma trace des lunettes. Mais c'est très joli. Voilà, mais ça m'énerve que ça me fait mal ma lunette. Enfin bref, j'aime beaucoup. Après, j'ai une petite chutasse là, mais on s'en fout. Et vous pouvez forcément déborder un peu plus. Je crois que je vais m'amuser avec ce genre de truc. On verra bien. J'ai les lunettes dégueulasses, comme d'hab. Et sur les lèvres, j'ai juste mis le crayon Charlotte Tilbury Pillow Talk et mon plumper essence par-dessus. Voilà. Donc j'ai reçu enfin mes briquets électroniques. Voilà. Donc ça, c'est celui que j'ai pris pour moi. Alors, c'est bien brillant et ça garde bien la trace des doigts. Voilà. Mais on s'en fout. Et donc, vous l'ouvrez. Vous avez ici un tactile pour l'allumer et ça fait un arc. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Un arc électrique, en fait, c'est comme les bougeoirs, enfin, comme les allumes-bougies, là, que moi, je me sers pour allumer le gaz. Ici, vous avez la batterie et il s'éteint tout seul, donc suffit de pas. Il veut pas. Il lui a foutu. Voilà. Hein, voyez. Voilà. Donc, j'ai pris celui-là pour moi. Dans la même collection, j'ai pris celui-là pour Enzo, pour Chéri, en rouge, hein, puisqu'il est fan de rouge. J'en ai pris un pour mon frère en bleu, mais je crois que c'est un masque. Il me semble que c'est un masque, je ne vais pas les déballer. Hein. Et un jaune pour ma belle-sœur. Donc vous ne les voyez pas bien parce qu'ils sont emballés. À chaque fois, vous avez le petit câble pour le recharger avec. Et pour Enzo, j'ai pris celui-là qui était un peu moins cher. Plus beau, puis qui a le dragon dessus. Mais un peu moins cher. Il était à 4€ et des cacahuètes, les autres étaient à 5. Donc même principe, hein, batterie à fond. Voilà, vous appuyez, ça fait un arc de trucs. Et voilà, Enzo va être ravi de l'avoir. Donc écoutez, vous savez quoi? On va le tester. Je vais mettre un vieux code. Hein. Et ça marche très bien. Voilà. Donc je vais vous laisser parce que j'ai fumé ma clope maintenant que je l'ai allumée. Hein, je vais la poser en essayant de ne pas trop vous enfumer. Donc voilà, franchement, ça nous évitera de devoir racheter des briquets en boucle, comme on doit faire à chaque fois. Et voilà. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait plaisir. À vous abonner, ça fait encore plus plaisir, ça. Bah voilà, répondez aux questions que je vous ai posées tout au long du vlog. Je ne sais pas du tout combien de temps il va durer, mais aujourd'hui, j'ai pas beaucoup fermé ma gueule. J'ai beaucoup blablaté. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain avec le crash test de mes petites nouveautés. Je vous préviens, il n'y a pas pour un make-up complet, c'est pas un truc de foufou. Hein. J'ai pas fait un haul de 700 balles non plus. Quoique si je pouvais inclure le PC, on serait à mes plus de 1000 balles. Et on se retrouve mercredi avec la vidéo d'une abonnée choisie mon make-up. J'ai déjà fait le tirage au sort. Nymphe, non, c'est pas toi. Voilà, mais le make-up m'inspire bien. Et vendredi, je sais plus. Ah si, la vidéo avec Georges. Voilà, vous avez voté sur Insta pour qu'on la fasse quand même. Donc, je vais maquiller Georges. Et je vais vous mettre, après, les sondages sur Insta pour voir quel make-up vous voulez que je fasse. Voilà, il est enchanté. Hein. Il faudra peut-être que je l'attache sur la chaise. Mais on sort. Donc, voilà, on se retrouve de toute façon demain pour crash tester mes petits produits là, j'ai hâte. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.